j'espère que tu vas bien. Et oui, tu es avec moi à bord de Coquelicot. Où allons-nous, hein? Devine un petit peu. Oui, sur la côte portugaise. Nous allons rester sur la côte portugaise parce que j'ai l'impression que ça te plaît bien. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup et je ne m'en lasse pas. Donc, là, où est-ce que nous partons? Alors, je te montre ça tout de suite. Je ne sais pas si tu as regardé le panneau à côté. Donc, nous partons à la pointe portugaise, la pointe de Sagres. Donc, la pointe la plus à l'ouest de l'Europe. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Une belle, belle nature, de l'océan, du vent. Allez, je te laisse apprécier la route et le paysage. J'ai pu constater que plusieurs personnes me posent un peu les mêmes questions par mail ou de temps en temps en commentaire public. Donc, je vais te répondre immédiatement puisqu'on est tranquille sur la route. Comme d'habitude, j'aime bien papoter pendant que je conduis. Alors, la Tiny Cabane maintenant est bien installée, bien en forme. On va dire que je l'ai bien prise en main. Je m'habitue, Cassie est bien habituée aussi. Je recommence à bouger à droite et à gauche en restant plein sud du Portugal pour le moment, puisque nous sommes quand même en hiver, même si je ne m'en rends pas beaucoup compte en étant plein sud du Portugal. Et dès le printemps, là je partirai plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Pour tout l'été, je ne reviendrai pas avant l'automne vers la Tiny Cabane puisque je vais partir au nord, sûrement en France, peut-être plus loin. On verra bien. Mais ne te fais pas de soucis, je bouge toujours et je vais faire encore de très grands voyages malgré la Tiny Cabane. Ça y est, nous sommes arrivés à destination, à Sagres, le long des falaises. Thank you.
intéressante à visiter à mon goût. L'entrée coûte 3 euros. Seulement si tu as envie de marcher jusqu'à la pointe, jusqu'au bord des falaises, ça vaut le coup de payer les 3 euros. Et puis après tout, ça fait aussi pour l'entretien de tout cet endroit. Une sorte de participation. Pointe de terre qui pique en plein dans l'océan. Et c'est en fait celle-ci qui est la plus à l'ouest. Je te montre sur la carte. Donc nous sommes à l'étape 1, à Sagres, et en face, nous avons l'étape 2, qui elle, finalement, est vraiment la plus à l'ouest. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben oui, on va reprendre Coquelicot et on va y aller. La qualité de la route n'est pas fabuleuse, comme tu vois ça saute pas mal, par contre c'est un vrai bonheur parce que ben, y a pas grand monde, vraiment pas grand monde nulle part, avec ce soleil en plus, c'est un vrai bonheur de conduire parce que ça te permet de conduire vraiment tranquillement et d'admirer le paysage en même temps. Allez, je te laisse admirer le paysage, ça fait un bien fou entre la route et le soleil.
C'est dommage, tout est fermé. Tant pis. On va quand même traîner par ici, on va quand même se promener. Parce que, toujours pareil, le long des falaises, c'est bien joli. Ici, on a le phare. Et oui, impossible de rentrer. Au secours, on veut rentrer. Ben non, on n'y arrivera pas pour cette fois-ci, peut-être la prochaine. Nous avons longuement traîné le long des falaises, le long de l'océan. C'est tellement beau, tellement impressionnant. Et la journée se termine tranquillement, tout doucement. Et j'en profite pour te souhaiter une très belle fin de journée. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!